C'est Slone. Jour numéro... Oh, toujours dans la jungle. Allons, tu devais te douter que je ne me laisserais pas écraser aussi facilement dans mon char. Merci à mon sauveur, mais qui ne s'attendent pas à recevoir des fleurs. J'ai un plan, mais je vais devoir agir vite. La réponse à tout cela se trouve chez ceux qui ont abandonné cette jungle. Je ne sais pas comment j'ai survécu. Un étranger m'a trouvé, dans la carcasse de mon char, enfoui dans les profondeurs de l'île. Sa technologie m'a gardé en vie. Il dit qu'elle appartient à ceux qui vivaient ici autrefois. Quand j'aurai récupéré, je veux me renseigner sur cette jungle et ses habitants. Il me faut un plan. Une mission. Je refuse de fléchir. Je n'abandonnerai pas. Il y a un souci. Les méthodes traditionnelles sont incapables de dater ces ruines. Et je n'aime pas ça. En plus, il n'y a aucune trace de dégâts catastrophiques. Comme si les habitants s'étaient volatilisés. Sauf qu'avant de partir, ils ont laissé un message. Et je sais, mais je pense que c'est moi qui dois le retrouver. J'ai trouvé ce qui ressemble à une machine antique détruite. Un télescope ou une sorte de projecteur stellaire. Je dois lancer des analyses. Si cette chose permet ce que je crois, alors elle sera la clé de voûte de mon plan. À première vue, l'instrument manipule la lumière à partir de prismes de minerais cinétiques. Mon instinct me dicte qu'il faut le mettre en marche au plus vite. J'ai arpenté les villages de ceux qui vivaient ici, disséqué leurs inventions et leurs écrits. Ils créaient des appareils incroyables à partir de minerais cinétiques raffinés. C'étaient des scientifiques, des visionnaires, mais seuls demeurent leurs reliques. Je peux désormais affirmer que je suis pleinement rétabli. Je suis encore un peu rouillé, mais j'ai une mission, et ça me suffit. Mon examen de l'instrument a été interrompu par une petite armée d'explorateurs. Je pourrais profiter de la situation. Je les ai contactés pour leur proposer mes services d'experte. Si je peux les convaincre de fouiller le site, je pourrais faire marcher l'instrument. Les glyphes sont notre seul indice pour comprendre la fonction de l'instrument. Mais ça ne suffira pas. Les explorateurs continuent de fouiller. De mon côté, je dois comprendre comment activer cette machine. Une personne à qui nous faisons tous les deux confiance m'a dit que nous devons quitter cette île le plus tôt possible. C'est ce qu'ont fait les précédents habitants? Trouver un vrai chez eux parmi les étoiles? Ces glyphes sont un indice pour savoir où aller, mais il faut les déchiffrer. J'essaie de faire correspondre le sens des glyphes au mouvement des astres, mais cela s'avère compliqué. Les glyphes semblent prédire la survenue d'une éclipse, mais les relevés disent que c'est impossible. Sauf qu'à ce jeu-là, ma présence ici, elle aussi, est impossible. Et si ces glyphes sont la voie d'un passé depuis longtemps oublié, dans ce cas, il me faut l'écouter. Les débris provoqués par la destruction du portail compliquent mes analyses cosmiques à longue portée. Mais je capte quelque chose, un signal que j'ai déjà vu. Un très ancien signal. Je crois le reconnaître. Je continue à analyser le signal entrant. Ce n'est pas un phénomène naturel. Ça s'approche de nous, volontairement. Les gens qui ont vécu ici il y a des lustres n'auraient jamais pu prédire un tel phénomène. À moins qu'il se soit déjà produit. L'éclipse est la clé. C'est évident. Tu es la dernière personne que j'ai envie d'appeler. Déjà, tu me connais trop bien. Tu risques d'être exaspérant. Mais tu es le seul en qui j'ai confiance pour y parvenir. Ça me fait mal de le dire, mais j'ai besoin de ton aide. En espérant que ta visée ne s'est pas améliorée. Code créateur SCM.